La création de la plateforme Ensemble pour le changement et le programme d'action qui s'en est suivi m'ont valu de nouvelles poursuites judiciaires qui se sont ajoutées au montage judiciaire grotesque que le régime avait déjà initié contre ma personne pour m'empêcher de me présenter à l'élection présidentielle cette année. Après que la CENCO se soit prononcée dans l'affaire dite de mercenaires et celle relative à la supposée spoliation d'un immeuble, le régime aux abois cherche à remettre en cause ma nationalité congolaise d'origine. Moi, un natif du Katanga, fils d'une princesse Bemba Yeke, de la lignée de Musiri, le roi de Bayeke, certains qui sont au pouvoir aujourd'hui dans notre pays ne peuvent pas enduire autant sur leur origine. Moi, je suis un entrepreneur congolais connu et reconnu, élu député provincial et national, gouverneur de la province du Katanga pendant 8 ans. Je suis animé de plusieurs sentiments après cette nouvelle cabale du pouvoir agonisant de Kinshasa. En effet, je suis étonné qu'on s'attaque à ma nationalité d'origine que nul ne peut contester. La justice congolaise est devenue un instrument de répression du dictateur de Kinshasa qui passe son temps à élaborer des montages macabres au lieu de s'occuper du vécu quotidien de 80 millions de Congolais qui croupissent dans la misère. Loin de me décourager, toutes ces manœuvres diaboliques ne font que renforcer ma volonté de poursuivre le combat pour libérer et sauver le pays. Je suis et reste candidat à l'élection présidentielle. Aujourd'hui, plus que jamais, je suis déterminé à mettre en place mon programme d'action qui sera suivi et encadré par une équipe d'hommes et de femmes compétents. Benda, 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 benda
Maman pasteur Kaiba Geneviève de l'église de Metepe Nangiringiri, Zamba Pambola yo.